Maldito qui perce au centre du terrain. Le soutien, il arrive avec Tius Boards. Delon, Armitage maintenant pour Smith. Pris par Darcy. Et de la précision sur ces zones de jeu. Tius Boards, la libération pour Derden. Lancé plein champ, il n'y a pas de soutien. Personne en hauteur. Un petit peu seul. On approche de la ligne d'en but. Il y a de la vitesse avec Maldito qui a pris l'intervalle. Repris par Strauss. Tius Boards, et ça chauffe maintenant dans le camp du Leinster. Plus qu'un mètre à faire. Vitesse, la puissance. Pasta ont repris sur la ligne. Et on va insister au près avec Smith, bien aidé par Juan Martin Fernandez Lobé. Carleman sous les poteaux. Tonnerre qui s'est couché sur ce ballon. Plus grand chose. Un petit effort à deux sans doute. Bastaro, allez, main sur ce ballon. Bastaro en force peut-être. Il y a un avantage en cours pour Toulon. Le bras tendu de Monsieur Barnes. Ce sera 3 points minimum. Oui, mais s'il pouvait marquer un essai, ce serait tout aussi bien. Suta peut-être en se retournant. The line. Armitage auprès avec Tchoky. Oh, il a traversé. Et c'est accordé en force de Xavier Tchoky. À hauteur, le jeune pilier gauche du RCT qui libère Mayol. Premier essai de ce match, il est pour Toulon. Toulon mène 14-6. Toulon récompensé. Toulon célébré par son public avec cet essai du pilier gauche. Xavier Tchoky qui fait le début de seconde mi-temps assez tonitruant. C'est lui qui est à l'origine d'abord du ballon récupéré qui a permis à Maldito de passer les 3 points. Et là, il s'illustre aussi auprès, en force, avec l'aide de ses coéquipiers. Entame de feu, entame idéale dans cette deuxième période. Xavier Tchoky, troisième essai en Coupe d'Europe. Il avait été excellent contre le Stade Toulousain la semaine dernière au Vélodrome. Eh bien, il va débloquer ce match, ce quart de finale, tentative de transformation Maldito. Et Toulon pourrait passer un 10-0 au Leinster dans ce début de deuxième acte. C'est fait. Toulon 16, Leinster 6, Mayol respire.